Jessica Thivenin et Thibaut Garcia forment l'un des couples les plus solides de la télé-réalité. Malgré tout, les parents de Mélon et Livan restent comme tout le monde et connaissent également des disputes. La dernière en date semble avoir beaucoup blessé la jeune femme. Thibaut Garcia et Jessica Thivenin @docteur insultés devant ses enfants, c'est via une story Snapchat que Thibaut Garcia a pris la parole pour dévoiler aux internautes la dispute qu'il venait d'avoir avec sa compagne. Je me suis embrouillé avec elle, je l'ai insulté et tout. Le top. Donc là, on est en embrouille, chaud. Là, elle fait style, elle n'entend pas et tout. Mais on a eu une très grosse embrouille, à deux doigts d'annuler les vacances au ski et tout. Enfin pas à deux doigts, elle les a annulés. On s'est embrouillé, comme un couple. Elle me fait trop de réflexions, ça m'a saoulé, si est-il bon. A déclaré le jeune homme. Thibaut Garcia a tenté de présenter ses excuses, mais Jessica Thivenin n'est pas parvenue à pardonner une chose de très important à ses yeux, les insultes proférées à son encontre face à leurs enfants. Non, si est-il mort par contre. Tu ne me parles pas comme ça, encore moins devant les enfants. M'insulter devant les enfants, ça, je ne pardonne pas. Ça, si est-il mort. Difficile de ne pas la comprendre sur ce coup-là. Thibaut Garcia ne se sentirait plus aimé par la suite, Thibaut Garcia a bien voulu dévoiler les prémices de leur dispute. Tout a commencé par un coup donné durant son sommeil. Dans la nuit, elle ne faisait que tousser. Et moi, je lui ai dit bon, moi tu me fais de la peine, demain matin première heure, je vais te chercher à la pharmacie un petit médicament pour te soigner. Et quelques minutes après, je fais un mauvais rêve et je lui mets un coup de coude. Coup de coude en pleine face, coup de coude mâchoire. Donc là, qu'est-ce ce qu'elle me dit dans la nuit, j'en ai marre, je me barre. Mais je n'ai pas fait exprès, je dormais. Du coup, ça a commencé comme ça. Il a ajouté, donc elle s'est levée du mauvais pied. Je lui dis, la petite est réveillée, va la chercher, parce que je ne peux pas, je suis avec le petit. Du coup, elle me fait une tête en mode genre ouais, tu ne sers à rien. Comme si j'étais en train de jouer à la PlayStation 4. En fait, ça fait quelques jours que j'ai l'impression qu'elle ne m'aime plus. Voilà. Et donc, du coup, je ressens qu'elle ne m'aime plus, et je perds confiance en moi. Peu touchée par cette remarque, Jessica Thivenin n'a pas hésité à le qualifier de menteur. Si Thibaut Garcia affirme qu'il dit vrai, Jessica Thivenin déclare quant à elle que son compagnon est un vrai boulet depuis son retour de Miami. Ambiance. Heureusement, les tensions se sont depuis apaisées.